Bonjour à tous, ici Evil Squid pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle arme qui est sortie, le dépoteur nuancé. On avait déjà un dépoteur, mais ils ont changé l'arme secondaire à l'arme spéciale et on va tester ça ensemble. Bon, pour une fois, on va... Je vais choisir mes équipements en fonction du style et pas en fonction des... de leur capacité. En général, je fais toujours en fonction des capacités, mais bon, là, c'est une arme que je maîtrise de toute manière pas. Je sais pas tellement quels sont les équipements. Enfin, j'ai pas tellement réfléchi à ce qu'il aurait fallu pour avoir des compétences en cohérence avec le style d'arme. Du coup, on va choisir des trucs un peu stylés. C'est marrant parce qu'en fait on peut pas changer leur short. À moins d'avoir un t-shirt hyper long, mais c'est pas tellement le cas. Pop hop. Ah, c'est marrant ça. Je vais peut-être garder ça. Hop. Ou celle-là. Non, les rouges c'est bien. Allez, non, on va pour ça. Encore que ça fait énorme par rapport à... Oh, mais bon, allez. On va dire que c'est un squid à la mode. Bon, bah on va tester ça en mode classique. C'est parti. Ah oui, c'est le saut qui envoie 3 jets. Bon, clairement, contre des 40 et plus, je vais essayer d'éviter le combat parce que avec cette arme, je serais clairement pas à la hauteur. Bon, voilà. Je vais éviter le combat, mais on va les empêcher de monter quand même chez nous. C'est un peu fatigué. Comme arme ici, c'est un sniper. Je le vois là dans le coin à droite de mon écran. Il m'attend comme un lâche. Ah! Ah! Ok. Bon, je pense qu'on va se faire dépoter là. Clairement. bon, c'est pas grave. Hein. Alors, où est-ce qu'ils sont quand même? Bien fait. Bon, on va aller s'aventurer là, quitte à mourir, pas grave. Il y a le sniper qui me guette. Ouais, il a fini de me guetter, ça y est. Bien fait. Oula. Oui, c'est ça. Ouais, c'était très naze de l'utiliser comme ça. Oula. Ah. Ouais, faut que je pense à utiliser mes trackers là. Ça pourrait être une bonne idée. C'est une bonne idée dans ce carnage. Bon là, je pense que faut pas faire grand chose là.
Ouais, j'ai failli en tuer un, malheureusement. Ouais, c'est sympa les trackers, mais bon, c'est pas... Faut pas trop compter dessus, quoi. Bon. Bon, je pense que ce sera 3 défaites, hein. 3 ou 4, ça dépend. Je sais pas trop combien de matchs je vais faire. Mais ouais. Là, clairement, je compte de niveau 40, 50, ça risque de continuer pendant toutes les parties, et je suis vraiment pas bon avec cette arme. Enfin, le saut, de toute manière, j'ai jamais été bon. Donc, ça risque d'être 3 défaites. Voilà, sachez-le. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour tester et pas pour gagner. Ok, il y a le sniper là. Est-ce que si j'envoie un truc comme ça... Ah, je l'ai pas tué. Je sais pas si on peut les envoyer en l'air ces trucs. Ah si. Ouais, ça... J'ai l'impression que sa portée à lui, elle s'arrête là. On va pas avec les bombes, évidemment. Ah, bien joué, collègue. Collègue. Oula. Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Ah, ah bah, j'y croyais pas, mais... Je suis content. Je suis très content. Non, on se débrouille pas trop mal là par rapport à. Enfin, si on compare ça à la partie d'avant. Oui, bah ça c'était très nul. Bien. Ha! Bien fait. Alors ça, ça mérite de narguer un peu quoi. Ah ok. Le fourbe. Quoi? Il tue un mec qui campait en dessous quoi. Oh là là. C'est mine alors lui. Mais il essaye de peindre de là-bas quoi. Ah. Non, je crois que c'est encore perdu hein. Mais un peu moins qu'à la partie d'avant.
Je sentais arriver par là. Mais je commence à être un tueur avec ce truc. Ou un gros chanceux. Au choix. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Voilà, bah là aussi c'était un gros chanceux. Mon coéquipier a commencé à l'achever. Enfin, a commencé à le tuer. Moi j'ai juste tiré en dernier quoi. Yeah. Ah, j'aurais voulu fuir mais il a peint sous mes pieds. C'est toi qui se barre hein. Ah ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez sniper, va tuer des gens, nous on se charge de repeindre ici. Hein. Est-ce qu'il y a même pas un mec que je peux voir comme ça? Ouais, je suis repéré, ça pas de doute. Ah, ouais. Le 1 contre 1. Ok. Voilà, vous voyez, il y a des gens que ça énerve de voir des... Quand on se fait tuer un mec qui fait ça juste après. Honnêtement, moi je trouve ça marrant. Parce que, bon, c'est quand même un jeu, tu vois. Le but, c'est de s'amuser. Et si ça amuse les gens de me tuer, bah... À la limite, c'est pas grave, quoi. Enfin, surtout là, en guerre de territoire, on serait en rang avec des S ou des A+, et je galérerais comme un pas possible. Ce serait différent, quoi, mais là, honnêtement, c'est plus marrant qu'autre chose. Est-ce que c'était lui? Non, c'était pas lui. Ouais, faut reprendre là, 10 secondes. Non, on va pas reprendre. J'ai peur qu'on reprenne pas. Mais, c'est pas grave. Ouais, bon, on a perdu. Bon, je vais en faire une de plus. Oh non, il est tombé. Comme un gros nul. Ah ouais. L'avantage des sauts, c'est que ça passe par-dessus les murs. Boum. Voilà. Il faut pas se... téléporter sur quelqu'un qui est en plaque ou pas. Parce que vous savez pas s'il va le gagner. Quoi? Ok.
Ah, on reprend le dessus là. Hein. Ouais. Puis les mecs ils veulent pas descendre apparemment. Sautez, sautez, allez-vous-en. Ah, on se débrouille là, là on se débrouille bien. Je suis confiant, oh là. Bien que je vais aller un peu de l'autre côté. On se débrouille très bien là. Ah merde, disons. Bah putain, j'aurais pas dû partir. Ouais, on était trois là. Voilà, grosse. Ah, on la gagne. Bien, bah c'est sur cette partie victorieuse que s'arrête la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également suivre mon compte Twitter. J'ai créé un compte Twitter très récemment. Ça peut être un moyen pour faire des annonces éventuelles entre nous, genre une partie ensemble un jour, ou des petites annonces qui méritent pas une vidéo entière, ça peut être un moyen. Donc si vous avez Twitter, n'hésitez pas à me suivre, ça peut être sympa. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!